toujours au Paddle Expo de Nuremberg. On a croisé au détour de quelques stands Chris de Redwood Paddle. Salut Chris. Salut Steph. Alors Chris, qu'est-ce que tu fais là en Allemagne? Tu t'es perdu, Perpignan, c'est pas à côté quand même. Hein. Non, je suis venu en avion quand même. Ouais, ça va. On vient tous les ans au Paddle Expo. C'est vrai que ça nous permet de gagner presque un voyage en Chine, puisqu'on a beaucoup de fournisseurs qui sont là. Les usines viennent voir quasiment tous les fabricants de stand-up paddle, parce que c'est un des rares salons en Europe où on peut voir toutes les marques réunies. Je pense que tu as fait le tour en regardant un petit peu hier soir Subpassion. J'ai vu que tu étais là et que tu avais fait le tour des marques. Donc voilà, nous, ça nous permet de voir un peu ce qui se fait, la tendance, les bruits de couloir, parce qu'il y a beaucoup de bruits de couloir sur les prix, les choses, les machins, les trucs qui évoluent. Qui ferme, qui continue, qui quitte l'Europe, qui revient. Qui va faire des paddles cheap, ultra cheap. À 99 euros. Ouais, par exemple, pour que je m'amuse à faire des vidéos. Et puis, non, on vient surtout pour les usines. C'est vrai que c'est vraiment chouette de discuter sur 3 jours comme ça avec plein de fabricants différents. Il y a les fabricants de drop stitch, il y a les fabricants de PVC. Enfin, tu trouves des nouvelles matières, tu discutes avec tout le monde. Donc, c'est vrai qu'en 2-3 jours ici, on gagne énormément de temps. Nous, on n'expose pas, on est vraiment là que pour voir nos fournisseurs. Et puis, tu as toujours des idées, des petites choses. C'est pas l'année où je reviens avec le plus d'idées. J'ai pas vu grand chose de la part de la. Il n'y a pas des choses qui m'ont fait. Ça c'est génial, ou ça il faut que je l'aie, il faut que je le fasse. Donc je reste un peu sur ma faim à ce niveau-là. Mais on revient avec quelques petites idées qui vont encore faire évoluer la gamme de l'année prochaine. Donc, on est. Tout va bien. Bon salon, ouais. Ouais. Bon, et puis on vous parle pas de l'e-foil, on pourrait, mais non. Là c'est pareil, on en a on n'est pas de l'expo là. Ouais, on reviendra au e-foil expo si un jour ça se fait. Ouais. Et puis de toute façon on se reverra au salon nautique dans 2 mois. À Paris, et puis il faudrait que tu viennes à Genève peut-être, non? Hein? Pour... Salon nautique de Genève du Léman. Ah oui, peut-être aussi. Ouais, bon, on verra. À suivre. Invitation lancée. Salut tout le monde. Ciao, bye. Ciao.